Mes chers amis, bonsoir, bienvenue à ce QCM publié sur Facebook. Pour les règles de transfusion en période néonatale, un nouveau-né de groupe O de mère B doit recevoir du sang O. Un nouveau-né de groupe A ou AB de mère A doit recevoir du sang A ou B. Un nouveau-né de groupe AB de mère B doit recevoir du sang B. Un nouveau-né de groupe A de mère AB doit recevoir du sang O. Et enfin, un nouveau-né de groupe AB de mère B doit recevoir du sang AB. Alors faisons un rappel sur les anticorps du système ABO. Les anticorps anti-A et anti-B étaient considérés comme des molécules d'apparition naturelle, sans stimulation par l'antigène correspondant. Cette idée était un défi aux lois classiques de l'immunologie, d'où le terme d'anticorps naturels. On sait maintenant que les antigènes A et B sont très largement présents dans la nature, tels que les plantes, le lait, les vaccins, et notamment au niveau de la membrane des bactéries intestinales, et ceci est à l'origine des anticorps anti-A et anti-B des individus. Les anti-A et les anti-B sont essentiellement des IgM, sachant que les IgM ne traversent pas la barrière placentaire, et donc ils sont sans conséquence sur le fœtus. En dehors des anticorps entre guillemets naturels, il peut exister également des anticorps de type IgG et IgA qui ont un pouvoir hémolytique puissant. Ce sont des anti-A et des anti-B humains. Ils sont très actifs à 37 degrés et sont produits à la suite de vaccination, de sérothérapie, d'infection ou à la suite d'une grossesse. Et ces anticorps de type IgG ont le pouvoir de traverser la barrière placentaire et peuvent persister dans le plasma du nouveau-né jusqu'à 3 mois après la naissance. À la naissance, il existe une diminution de l'expression des antigènes ABO à la surface des globules rouges. Et donc, les anticorps anti-A et anti-B n'apparaissent qu'à partir du 3e jusqu'au 9e mois après la naissance. Mais il arrive parfois qu'on observe la présence de ces anticorps à la naissance. Donc au total, dans le plasma d'un nouveau-né, il peut exister des anti-A et des anti-B de type IgG d'origine maternelle. On peut observer exceptionnellement des anti-A et des anti-B de type IgM produites par le nouveau-né. C'est pour cette raison qu'en pratique, les recommandations actuelles sont de transfuser dans le groupe du nouveau-né si la mère et l'enfant ont un antigène commun et en O non-isogroupe dans le cas contraire. Non-isogroupe veut dire que les anticorps irréguliers anti-A et anti-B ont été éliminés. Et donc, il s'agit d'un O non dangereux. Donc, pour revenir à notre QCM, dans la réponse A, le nouveau-né est de groupe O, alors que sa mère est de groupe B. Donc, il n'existe pas d'antigène commun entre les deux. Il doit être transfusé en O isogroupe. Donc, la réponse A est juste. Dans la réponse B, le nouveau-né est du groupe A ou AB, alors que sa mère est de groupe A. Donc, il peut recevoir du sang du groupe A, mais il ne peut pas recevoir du groupe B. Donc, la réponse B est fausse. Dans la réponse C, le nouveau-né est de groupe AB et sa mère, elle est du groupe B. Donc, il existe un antigène B commun à tous les deux. Donc, la réponse C est juste. Dans la réponse D, le nouveau-né est de phénotype A, alors que sa mère, elle est du AB. Et donc, bien sûr, il peut recevoir du sang O non-isogroupe. Et enfin, dans la réponse E, le nouveau-né est du groupe AB, alors que sa mère est du groupe B. Et donc, il ne pourra pas recevoir du sang AB, vu que l'antigène A n'est pas commun chez tous les deux. Donc au total, il faut cocher les réponses A, C et D. Voilà, ce QCM est à présent terminé. Il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à demain.